Après l'annonce de Trump, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'il n'y avait aucune alternative à une solution à deux États pour la question israélo-palestinienne. Il a ajouté qu'il s'était exprimé systématiquement contre toutes les mesures unilatérales qui mettent en péril les espoirs de paix pour les Israéliens et les Palestiniens. Guterres a déclaré que le problème ne pouvait pas être résolu qu'à travers des négociations directes entre les deux pays. Le secrétaire général de l'ONU a également déclaré qu'il était engagé pour prendre des mesures afin de persuader les responsables israéliens et palestiniens de retourner à la table de négociation. Ces dialogues doivent être réalisés et sur la base des résolutions pertinentes produites par le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Assemblée générale de l'ONU.